Connaissez-vous la Nadal Academy à Manacor et le magnifique petit port de Porto Cristo? Coucou les Silvers! Deuxième jour de ce vlog et je vous embarque avec moi à la Nadal Academy de tennis et dans le magnifique petit port de Porto Cristo. Comme promis, je commence par vous partager le délicieux petit déjeuner de l'hôtel Tunes Playa à Can Picafort à Majorque. Vous allez le voir, ce petit déjeuner est délicieux. Il y a tout ce que j'aime. Je vais prendre 200 kilos, je crois. Du salé, du sucré, des fruits. Il y a vraiment tout. Des jus de fruits, du salé aussi qu'on vous prépare devant, comme des œufs brouillés, des omelettes. Ah, ça va être dur cette semaine. Après ce délicieux petit déjeuner, nous sommes partis à Manacor. Manacor est la deuxième ville de Majorque. Environ 40 000 habitants, c'est une ancienne ville industrielle. Mais maintenant, elle est surtout connue car Rafael Nadal est né à Manacor et surtout vient de créer sa Nadal Academy pour former les futurs champions de tennis. Regardez cette académie, c'est le rêve de tout joueur de tennis qui débute et qui veut devenir champion. Bon, on a espéré voir Rafael Nadal, mais bon, il n'est pas venu, tant pis, il était là quelques jours avant, mais nous on l'a loupé. Ensuite, nous sommes allés découvrir le magnifique petit port de Porto Cristo. Regardez donc, c'est magique. Alors, Porto Cristo est surtout connu pour ses grottes, les grottes de Drac. Drac, ça veut dire dragon. Alors, nous n'y sommes pas allés car je trouvais le prix un peu excessif, 15 euros par adulte. Non mais franchement, 15 euros par adulte pour une heure de visite, je sais pas vous, mais moi je trouve ça trop cher. Tant pis, nous ne les aurons pas vus. Allez, je vous mets une petite photo récupérée sur Wikipédia, comme ça vous verrez ce que c'est. Par contre, nous sommes allés déjeuner au restaurant Le Flamingo qui surplombe le port de Porto Cristo. C'est magnifique! Regardez, nous étions super bien installés à l'ombre des arbres et en plus, nous y avons très très bien mangé. Voilà, c'était nos excursions du jour. Je sais pas, peut-être certains d'entre vous les connaissent. Dites-le ici dans les commentaires. Dites-moi si vous connaissez et puis dites-moi aussi si ça vous a plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces en l'air. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous. Comme ça, vous serez informé de la mise en ligne de mes prochaines vidéos, de mes lives, mais aussi du prochain vlog que je vais faire ici à Majorque. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis au prochain vlog. Bye bye.
Bon, la lumière, elle est vraiment pas top. J'ai mis les lunettes parce qu'il y a trop de luminosité. Je n'y vois absolument rien. Ok, c'est moche. En plus, j'ai les cheveux tout tirés en arrière. Enfin bref, c'est comme hier, quoi. Puis c'est les vacances. Hein. Vous voyez, juste du mascara. Je vous l'avais dit. Allez, bye!